Là, ça commence à devenir jaune, hein. Donc attention à les montées de nectars dans les ruches. Que préparez-vous à ce que ça commence à venir, hein. Salut les apiculteurs, bienvenue sur ma chaîne Apitof. Voilà, aujourd'hui on est à peu près 10-12 jours après la dernière vidéo qu'on a faite, hein, sur le premier contrôle de pré-printemps. Donc aujourd'hui on va vérifier encore une fois les ruches, voir où que ça en est, si ça a bien monté en couvain, s'il y a une progression au niveau de la quantité des abeilles. Et surtout pour moi, est-ce qu'il y a du mal pour bien démarrer la saison au niveau de l'élevage des rennes. Donc voilà, s'il y a assez de mâles, je vais pouvoir démarrer la saison. Donc sachez que j'ai énormément de demandes, hein, pour savoir si je fais des rennes, si je fais des essaims. Alors oui, j'en fais, mais je ne fais pas de précommande. C'est comme je le rappelle, je suis une petite entreprise, hein, d'apiculture. Et voilà, je mets les rennes en fonction de ce que j'ai réellement. Je ne vais pas m'amuser à faire des précommandes alors que j'ai encore rien produit. Alors c'est vrai que après, je suis un petit apiculteur qui sélectionne énormément ces rennes, hein, ce qui me permet de travailler avec des rennes de très bonne qualité. Mais malheureusement, j'en aurai pas pour tout le monde. Donc ce que je vous conseille, c'est de surveiller le site, hein, quand il y en a en stock, de surveiller régulièrement et puis de réserver à ce moment-là, hein, de régler au plus vite pour pouvoir avoir les rennes si vous en avez besoin. Voilà. Donc sur ce, on va regarder tout ça ensemble. Je prépare un petit peu mon enfumoir et puis placer encore une fois la caméra. En attendant, abonnez-vous, merci à tous les nouveaux et merci de liker pour cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti les amis. Donc là, on va revisiter celle-là pour voir la progression par rapport à la dernière vidéo qu'on a fait pour la prévisite de printemps. Donc on enfume toujours bien. Il y a du monde ici. À mon avis, quand il y a du monde comme ça dans le nourrisseur, déjà, c'est qu'il y a du monde en bas. On regarde toujours sous le nourrisseur s'il n'y a pas la reine, hein, c'est important. Donc là il fait vraiment très chaud, hein. Il fait 20-21 degrés. Et voilà, c'est un temps idéal pour visiter. Bon, c'est un peu couvert. Donc j'ai pas mis de veste pour l'instant, j'ai juste mis mon chapeau. Si ça tape un peu, je mettrai peut-être au moins la veste. Donc ça c'est un cadre que j'avais rajouté la dernière fois. Il commence à le remplir de nectar. Des abeilles sur le bord. Quand vous voulez sortir des cadres sans les gants, vous tâtez toujours les bords comme ça. Si vous sentez les abeilles, elles vont se pousser et hop, dès que vous sentez plus rien, hop, vous sortez votre cadre le plus doucement possible. Donc là, on a une vieille amusette, mais je suppose qu'elle n'est pas prise. On a notre reine ici, qui n'est pas numérotée. Là, tout le cadre est pondu avec du nectar. Donc, je ne vais pas vous montrer, c'est des œufs, mais tout le cercle là, c'est pondu en œuf. Et tout le tour là, c'est du nectar.
la reine est ici, belle reine. Elle n'est pas marquée, donc on va décaler ça par là. On voit déjà la différence, hein, au niveau du couvain, ne serait-ce que le couvain. Vous avez vu la qualité du couvain là, c'est un beau couvain, hein, bien compact. Vous voyez là où c'est ouvert, il y a des petits trous, mais c'est du nectar. Et ici tout est pondu, hein, c'est en forme de il y a de la larve à plusieurs stades, donc ça c'est bien. C'est très beau même, regardez. Pareil ici. Vous voyez, ça, la qualité du couvain, c'est magnifique. Là, quasiment pas de trous. C'est superbe. Là, on a un tout petit peu de couvain de mâle. On les voit, ils sont plus bombés, ils ressortent. Les abeilles ont l'air d'être plutôt calmes. Au niveau de la couleur, c'est assez homogène. Donc, c'est plutôt bien. Donc ça se développe quand même vachement rapidement, hein. Vous voyez, en une dizaine de jours, les cadres sont bien lourds. Vous voyez, regardez-moi ça, ça c'est du placard de couvain. On a le colza qui va sortir là, ça commence à fleurir bien fort. Je peux vous dire que ça va exploser. Regardez-moi ça, ça c'est du très très beau couvain. Vous voyez, c'est magnifique, c'est ce qu'il vous faut. Idem de l'autre côté. Vous voyez là, j'ai une abeille qui est dans ma main. Vous serrez pas vos doigts. Au pire, vous secouez pour l'enlever, mais vous faites attention quand vous sentez quelque chose dans vos mains. Vous excitez pas, si vous êtes sans vent, ça sert à rien. Donc là, c'est des réserves. Et du couvain aussi. Donc là, il y a des réserves ici, comme ça. Et ici, vous avez du couvain. Donc pareil, hein, c'est du couvain qui est en cours de... qui vient d'être pondu il y a peut-être 2 voire 3 jours. Donc on replace tout correctement. Donc ça, c'est très très bien. Au niveau de l'évolution. Donc moi, je vous encourage, hein, à pas hésiter à aller refaire un petit tour sur l'ancienne vidéo. Vous regardez la date, hein, de manière généralement, je fais les vidéos, je les sors soit le jour même ou le lendemain. Donc, et vous allez voir la différence en peu de temps. Donc là, vous voyez, elles sont en train de me nettoyer le cadre. C'est un cadre que j'avais mis. Hop. Superbe. On va les faire redescendre pour éviter de les écraser. Et ça, à surveiller, hein, parce que là, ça va exploser d'ici peu de temps. Ça va exploser. C'est sûr que cette roche-là, quand elle va... Ah, mince. Donc ça, c'est des bouts de bois que j'avais mis. C'est pas trop grave. On va pousser comme ça. Chapeau et notre parpaing. Donc voilà, donc là très très bien. Donc il y a un tout petit peu de mâle, mais c'est pas sur cela que je vais m'attarder, hein, pour le mâle. Ça va être sur les grosses ruches de production de mâle. Donc je vais vous les montrer après. Vous vous rappelez certainement de ces deux là aussi, peut-être. Donc le temps devient orageux, c'est assez couvert. Donc j'ai mis une veste au cas où, parce que quand c'est couvert, peuvent être un peu plus agressives. Donc bon. Après, il fait chaud. Mais bon, comme c'est un temps orageux, généralement, on se méfie. Même
même avec les abeilles les plus douces du monde, il faut toujours faire attention. Hein. Hop, on va bien les alerter. Donc pareil, vérification de la qualité du couvain et voir s'il y a du mal aussi. Là, on est sur un cadre réserve pollen. Voilà. S'il y a du pollen, généralement, comme je vous dis toujours, c'est signe de reine. Et on est déjà sur du couvain. Et on a notre reine ici. Donc la reine est là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, tranquillement ici. Et tout le milieu, ça vient d'être pondu. Donc c'est de la ponte fraîche. Et tout le bas, c'est du couvain de mâle. Alors comment je le reconnais, c'est à la grosseur des alvéoles. Donc les alvéoles sont beaucoup plus grosses. Et là, on est il y a plusieurs stades. Hein. On est au stade larvaire. Donc je vais faire attention à ma reine qui est sur le bord ici. Hop, voilà. Donc, je sais qu'elle est là. Je peux travailler tranquillement maintenant. Voilà le couvain qu'elle me fait. Donc, il y a des petits trous, mais c'est rempli de nectar et de pollen. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que là, c'est pondu, mais tout le reste, enfin, là, c'est du couvain fermé, et tout le reste est pondu, hein, autour. Voilà, pareil. Là, c'est plutôt très, très bien. On va les faire descendre un petit peu ici au milieu pour éviter de dépasser. Il fait chaud, purée. Il fait chaud, mais très nuageux. Donc c'est un temps bon moyen. Voilà. Donc là, on reconnaît bien le couvain d'abeille et ici le couvain de mâle. Vous voyez, beaucoup plus bombée, beaucoup plus grosse. Donc là, on est sur du couvain de mâle. Je regarde à côté, ici, là, on est en couvain de mâle aussi, qui est pondu aussi. Idem de l'autre côté. Et voyez, hein, le couvain est bien compact et bien resserré avec du nectar au-dessus. Donc ça, c'est une souche qui est importante pour moi parce que c'est une... C'est une fille d'une reine de très bonne qualité qui se développe très très bien et qui me fait de très bonnes reines fécondées. Donc celle-là, j'y tiens particulièrement. Elle travaille vraiment bien, hein, c'est celle qui lui travaille le mieux. Hop, là on a encore du couvain, donc couvain fermé, couvain pondu, un peu de couvain de mâle ici. On voit de jeunes abeilles qui sont sorties il n'y a pas longtemps parce qu'elles sont un peu grises. C'est plutôt bien, hein. Donc, pour que les mâles soient matures, il faut à partir des œufs compter environ 45 jours pour qu'ils arrivent à maturité. Donc là, on a des mâles qui sont bien avancés. Donc on pourra commencer notre élevage à au moins 20... Alors attendez, que je me trompe pas. 20 jours, bah vous pouvez commencer à faire de l'élevage. Donc là, on a du couvain de mâle operculé. Donc qui est bien avancé, donc ça veut dire que
ils vont pas tarder à naître d'ici quelques jours. Donc les reines vont pouvoir être fécondées d'ici la mi-avril, ça sera bon. Donc ça veut dire que fin mars, début avril, là, je peux lancer des reines en route. Sachant qu'il faut que je contrôle les autres. Hein. Pareil. Et on voit que tout le couvain qu'on avait vu la dernière fois, eh bien il est sorti en fait. Tout ça s'est répondu. Mais tout ça, c'était le couvain qui était né, que l'on a vu dans la dernière, qui est né de la dernière vidéo. Alors là, on voit quelque chose d'intéressant ici. Quand vous avez ça comme ça, une traînée là, je ne sais pas si vous le voyez, ben vous pouvez creuser parce qu'il doit y avoir une traînée dedans. Donc il faut creuser et elle va sortir. Hop, vous voyez. Donc là, il faut la choper et la zigouiller. Voilà. Donc quand vous voyez une traînée blanche sur le dessus du couvain, c'est qu'il y a une teigne en dessous. Hein. Donc ça abîme un tout petit peu de couvain, mais on va pas laisser une teigne là-dedans. Hein. On est bien d'accord. On sent que ça se couvre parce qu'elles sont un petit peu plus nerveuses. Elles viennent plus taper au niveau du chapeau. Alors que bon, moi j'ai pas de, je n'ai pas de, comment, de micro Bluetooth ou autre, donc c'est pas ça qui fait que. Donc voilà, donc là c'est un cadre de mâle ici en bas et de femelle en haut, sachant qu'ici il n'y avait rien de construit, hein. C'était vierge, hein, et ils viennent de le bâtir. Donc oui, effectivement, j'ai mis un cadre sur le milieu parce que c'est une ruche que je connais très bien, qui se développe vraiment efficacement. Ne faites pas ça, mettre un cadre en plein milieu si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Hein. On met toujours des cadres après la nourriture au niveau des rives. Hein. Vous avez vos cadres de nourriture, vous avez votre premier couvain, vous pouvez mettre votre cadre entre votre premier couvain et votre rive si vous voulez rajouter des cadres. Mais attention, hein, il faut que la ruche se développe très bien aussi. Hein. Encore du couvain de mâle sur le bas, donc c'est plutôt intéressant aussi. Donc je fais tous les cadres parce que je veux contrôler la quantité de mâle qu'il y a dedans. Vous voyez, ça vient taper contre les mains un peu. Donc là, pareil, vous voyez pourquoi je contrôle. Hein, encore un beau couvain de mâle ici. Donc ça, je suis très content parce que là, ça veut dire que on va monter en puissance au niveau du mâle dans les ruches. Et c'est ce que je voulais. Et d'ailleurs, il y a quelques mâles qui sont déjà nés. Là, on a un gros, là. Donc là, c'est un gros qui doit être né il n'y a pas très longtemps, mais je pense qu'il n'est pas encore mature. Hein. Là, ça doit être du nectar. Effectivement, c'est plein de nectar. Bon. C'est plutôt satisfaisant, hein. Très très bien tout ça. On va regarder juste celui-là, ce qu'il y a là. Donc ça, on va le décaler parce que c'est pareil. Donc je réorganise un peu ma ruche. Là, on a du couvain. Donc on a du couvain là. Là, c'est un cadre qui est pour le mâle. Donc je l'intègre pour que la reine vienne ici et s'occupe de pondre là-dedans. Bon, je suis désolé, ça a coupé. J'ai rien fait de plus. Hein. J'ai réorganisé ma ruche, j'ai remis tous mes cadres en faisant attention surtout de remettre les cadres doucement pour n'écraser personne et surtout pas la reine. Et là, on va regarder celle qui est à côté si vous voulez.
J'espère que ça va pas surchauffer. En fait, ça s'est coupé parce que ça m'a mis surchauffe. Bon. Pareil ici, c'est une très bonne ruche. Les abeilles qui s'énervent un peu, c'est vrai que... Ouais, bah c'est orageux. Là, c'est sur un cadre qu'ils sont en train de préparer. C'est pas super bien. Cadre de nectar. Là, on arrive sur du couvain, donc il y a un petit peu de couvain naissant là, tout le reste est pondu, tout hein. Et on est au stade larvaire, donc il y a plusieurs stades, idem de ce côté là, on a un petit peu là sur du couvain qui va naître dans peu de temps, tout le reste, la partie foncée, c'est du couvain pondu. Bon, je sais pas ce qu'il a surchauffé mon téléphone, mais ça a encore coupé. Donc, dans tous les cas, voilà, la ruche en elle-même, là, celle qu'on vient de voir, c'était partout pareil. Il y a beaucoup de couvain de mâles. Donc, c'est bon pour d'ici là que le colza sorte, ça va être très bien pour pouvoir préparer la division des seins, parce que le colza, moi, il est quasiment en fleurs, et quand ça va, d'ici une semaine, voilà, ça va être blindé de fleurs. Donc quand elles vont se mettre sur le colza, ça va être bon pour faire les divisions et pouvoir commencer mes élevages de rennes, hein, vu qu'il y a pas mal de, comment dire, de couvain de mâles. Voilà. Allez, on continue un petit peu. Je vous en fais une dernière, si ça coupe pas, j'espère cette fois-ci. Je vais essayer de vous placer comme ça. Donc là, c'est des grosses ruches. Alors, elles sont peut-être pas complètes, je sais plus exactement comment elle est celle-là. Mais ce sont des ruches voilà, qui sont sélectionnées pour faire du mâle hein, pour la saison. Hein. Vous voyez, là, le temps il est gris. Elle pourrait être beaucoup plus agressive que ça. Hein. J'en ai une là au bout. Faut que je change la reine. Parce que je pense que. Elle a été mal fécondée ou je sais pas, mais elle donne beaucoup de noir, elle est assez hybridée et les abeilles sont agressives, donc ça, je veux pas de mal là dessus vous imaginez bien, celles qui sont agressives, les abeilles, c'est celles qui sont les abeilles d'hiver hein, qui sont vieilles et c'est souvent les plus agressives. Je vais me mettre comme ça. Il y a un peu d'humidité dans celle-là, donc attention, parce que les abeilles n'aiment pas l'humidité. Donc on va faire attention. Donc là, on est sur un cadre de réserve.
un cadre de réserve standard, hein, il n'y a rien de spécial. Hop, je vais le mettre ici. Pas de geste brusque, hein, vous y allez tranquillement. Cadre de réserve aussi, c'est du pollen. Ça tourne toujours, donc on continue. Ouais. Et on arrive sur du couvain. Encore une fois, un couvain bien compact. Et tout le reste autour est pondu. On a un petit peu de couvain de mâle qui est en train d'être operculé ici. Donc c'est bien. Idem, hein, pareil, hein. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si on va voir l'intérieur des alvéoles. On voit rien. Bon. Ah, intéressant, regardez. Il y a une abeille au milieu qui fait une danse là. Vous voyez, elle fait des zigzags en haut là, sur le milieu. Donc là, elle est pas malade, hein. C'est juste qu'elle est en train de faire signe aux autres abeilles qu'il y a un endroit où il y a du nectar à récupérer. Et selon la disposition de la ruche, avec le nord, le sud, l'est, eh bien, va positionner son corps, faire des vagues selon la distance. Et ça va donner les indications aux autres abeilles pour pouvoir aller butiner au même endroit. Et ça, c'est assez incroyable de voir ça. Quand on sait que c'est des petites bébêtes, dont beaucoup ont peur, parce que ça pique. Donc là, beau couvain aussi. Hein, voilà, hein, vous voyez bien. Hein. Donc hein, vous vous rendez compte, quand toute la colonie va augmenter en force, ça va être blindé là-dedans. Et on a de jeunes abeilles hein, qui sont nées. Toujours pareil, couvain. Là, il y a moins de mâles dans celui-là. Donc, s'il n'y a pas de mâles, qu'est-ce que je vais faire à votre avis? À votre avis, qu'est-ce que je vais faire s'il n'y a pas de mâles? Ah, je vais y mettre du cadre à mâles. Donc, bien que là, c'est marqué CM, c'est un cadre à mâles. Donc, je vais regarder quand je vais arriver là si ça a été pondu ou pas. Ça c'est bien lourd, donc il doit y avoir. Ah bah voilà. Et voilà, on arrive sur du couvain de mâle. Tout ici, c'est du couvain de mâle. Donc c'est très bien. Idem de ce côté-là. Vous voyez, moi, ça c'est super pour moi. Je sais que mon élevage va pouvoir démarrer. Dans peu de temps, dans quelques jours. Le temps de mettre tout en place. Donc là, on est sur du couvain en train d'être operculé. Nous avons notre reine, reine blanche. Je vais vous la montrer, ça vous fera plaisir peut-être. Allez, hop. Avec un bel abdomen bien développé. Alors oui, hein, mes reines sont clippées. Elles ont une aile coupée. Alors je n'aime pas ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos l'année dernière, j'ai le monsieur d'à côté qui s'est amusé à mettre une ruche sur son camion juste à l'entrée de mon portail. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une de mes reines, ça a essaimé parce que j'ai pas eu le temps de venir avant que ça essaime. Et il s'est retrouvé avec un essaim dans son camion. Quand j'ai vu ça sur ma caméra, bien sûr, parce qu'il y a une caméra, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait lui? Donc, du coup, déjà d'une, j'ai été récupérer mon essaim dans sa ruche.
Et puis deuxièmement, bah, j'ai été obligé de clipper mes rennes pour éviter de perdre des essaims. Certes, la reine risque de tomber à terre s'il y a un essaimage, mais au moins l'essaim retournera à la ruche. C'est ce que je préfère, parce que là, moi, perdre des essaims comme ça, ça va, le gars il met sa ruche juste à côté de mon portail, c'est pas cool de sa part. Il m'a dit oh bah c'est normal, il y a des essaimages un peu partout de manière. J'ai dit bah ouais mais bon, vous savez qu'il y a mon rucher à côté. Je dis si mon chien il se sauve de chez moi et qu'il arrive chez vous, c'est pas votre chien, c'est toujours le mien. Et bah là c'est pareil. Moi mes rennes elles sont marquées, je sais très bien que c'est les miennes, je vais certainement pas vous les laisser. Donc ça. Je vais le décaler pour qu'elle me fasse du couvain de mal avec ça. Donc voilà pourquoi mes rennes sont clippées, les amis. Je vais le mettre ici. Donc voilà. Le reste, pas besoin de surveiller puisque ça va être certainement de la réserve. Donc après, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas qu'on clippe les rennes. Mais bon, là, vous allez me dire, ah oui, mon petit gars, t'as pas le choix. Donc j'essaye de les clipper au mieux pour éviter de les blesser trop. Mais moi, ça m'a pas trop plu et je les clippe que depuis de l'année dernière. Hein. C'est de l'année dernière, ça. J'avais vu son camion à l'entrée de mon rocher. Bon, bah, il travaille dans son terrain, juste à côté, quoi. Et puis, bah, le soir, je vois toujours son camion. Je dis, bah, qu'est-ce qu'il fait ? Je déplace la caravane, je vois un truc, je déplace la caméra et je vois un truc sur son toit. Beaucoup attendez, me dites pas que c'est une ruche piège qu'il a mis. Eh ben si. Vous voyez, hein, pourtant, c'est clair, hein, le rucher est assez délimité. Je vais vous montrer, hein, regardez. Hop. Vous voyez mon camion là ? Bah, le gars avait mis son camion là avec la ruche juste au-dessus là. Et il y avait un essaim qui s'était posé dans l'arbre. Bah, il croit que ça vient d'où Ça vient pas de chez lui, hein. C'est pas un essaim sauvage, là. Hein. Donc, bon, voilà. Bon, on va pas terminer sur une mauvaise note. Hein. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que les ruches se portent bien. Je vais continuer ma visite. On va s'arrêter là, les amis, parce que ça risque encore de faire une longue vidéo. Alors, j'espère que vous regarderez celle-ci, parce que je comprends pas. Il y a des fois, il y a des vidéos, elles sont plus regardées que d'autres. Donc, bon. Pour ceux qui s'abonnent, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, hein, vous mettez tout sélectionné, comme ça vous avez les alertes, ça vous permet d'avoir les nouvelles vidéos que je sors. Hein, donc voilà. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir suivi celle-là, je vous dis à très bientôt pour vos et pour mon courage pour le démarrage de votre saison à tous. Allez, salut, c'était Happy Toff.